Né d'une mère puéricultrice et d'un père ingénieur agronome, il grandit dans le 16e arrondissement de Paris. Il apprend à jouer du piano, puis décide, à l'adolescence, de devenir comédien, révélé par son rôle principal dans À nous les petites anglaises en 1976. Il figure ensuite dans plusieurs films populaires français de la fin des années 1970 et des années 1980 dont, en particulier, La Cage aux Folles, 1978, dans lequel il incarne le fils de Renato Baldi, Ugo Tognazzi. L'un de ses rôles les plus marquants sera celui du journaliste Denis Boucher dans le film québécois Les Ploufs, 1980, de Gilles Carle. Il meurt le 14 novembre 1989 à l'âge de 32 ans du sida. Il est inhumé à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Il avait été le compagnon de la comédienne Anne Caudry, disparue à son tour en 1991, avant d'épouser Emok Machniuk, une jeune danseuse et mime hongroise.